Coucou les amis, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle recette de slime que je vais faire en direct sur la vidéo. C'est un butter slime bleu métallique. J'avais envie de faire quelque chose d'assez flashy. C'est parti. Donc, on va d'abord ajouter 30 ml de colle. Donc, colle classique pour papier, voilà, transparente. J'ai trouvé ces petits pots, il y a plusieurs couleurs. Chez les magasins Action, donc petite peinture acrylique métallique, vraiment pas chère du tout, et j'ai l'impression que la couleur va bien donner, donc on va tester avec le bleu. Voilà, je vais mettre à peu près donc la moitié du flacon. De toute façon, dans la description de la vidéo, je vous remets toutes les quantités utilisées dans cette vidéo pour que vous puissiez reproduire ce slime chez vous. On va bien mélanger, on va avoir quelque chose d'assez homogène. Voilà, que ça prenne bien entre la colle et la peinture. Donc c'est une peinture acrylique. Donc je vais ajouter de la mousse à raser, alors n'importe quelle marque, hein, ça fonctionne pareil. Et donc à raison de 5 petites giclées. Et on va remélanger le tout. Alors, bien sûr, avec la mousse à raser blanche, la peinture va être un peu moins flashy. Mais bon, je pense que j'en ai quand même mis pas mal. Peut-être j'en rajouterai. Je verrai si la couleur me plaît. Ce petit produit... Ah ! Bon, j'ai failli le faire tomber dans le slime. Donc, ce petit produit, c'est un activateur Cléopâtre. Produit magique qu'on trouve sur Internet pour environ 5 €. Et qui est très, très bien à condition de ne pas le faire tomber dans la préparation. Voilà. Donc, je vais rajouter 60 ml de produit magique. Voilà. Vous pouvez le mettre en plusieurs fois et remuer au fur et à mesure. Moi, j'aime bien le mettre en 3 fois et mélanger entre chaque fois. Voilà. Là, c'est encore... C'est pas mal, en fait. Ça se décolle bien. Donc, je vais commencer à le malaxer et je vais voir si je rajoute un petit peu de produit magique. Bon, en tout, j'en ai mis 66 ml. Et encore une fois, je vous mets les doses. Voilà, donc j'en ai rajouté. Je vous mets les doses dans la description de la vidéo. Voilà, vous aurez tous les ingrédients. Vous pourrez refaire ce slime vraiment rapide, facile et pas cher chez vous. C'est un vrai plaisir. Et en plus, avec la mousse à raser, ça sent super bon. J'adore l'odeur. Voilà, j'ai bien mélangé et vous voyez là, j'ai bien mélangé, bien malaxé pendant 5 à 10 minutes. Pressez-le bien pour bien faire sortir l'air. Voilà, vous l'écrasez dans vos mains, vous l'étirez, vous le repliez, vous jouez avec pendant 5 à 10 minutes, c'est important pour avoir vraiment une super texture. La couleur, elle est très très belle. La dose de peinture était très bien en fait, j'en ai pas rajouté. Ça me convient très bien, il est très brillant. Donc peinture acrylique métallique. Franchement, j'adhère à fond. Je suis très, très contente, très satisfaite de ce slime. Il est vraiment agréable, il est beau et il sent bon. Voilà, une recette très rapide, très facile et vraiment pas chère. Il est vraiment top, ce slime. Et il est très extensible, très élastique. Et j'ai pas du tout de résidus sur les doigts, sur les mains. Donc, franchement, je suis très contente de ma recette. Voilà, donc la recette, 30 ml de colle, un peu de peinture, donc au choix au niveau de la quantité par rapport à la couleur que vous voulez obtenir, 5 giclées de mousse à raser et 60 ml de produit magique. Et ça nous donne quelque chose de magnifique. Voilà. Allez voir, on a encore d'autres recettes et on essaye d'en faire un maximum régulièrement parce qu'on adore ça, le slime. J'aimais pas trop ça avant parce que j'avais découvert des slimes qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Donc, c'était assez collant, c'était un peu la cata. Et depuis que j'ai découvert des nouvelles recettes, depuis que j'ai découvert des kits aussi de fabrication qui sont super bien, j'adhère totalement.
Voilà, donc venez vite vous abonner, retrouvez plein de vidéos et je vous dis à très bientôt.